Allez. Calcul. Oh putain, en plus une sale coiffure. Ah bah génial le retour, qu'est-ce que c'est ça? Et moi alors? Oh là là, bon allez. Moi je m'en fous, je suis toujours belle. Salut, salut! Et coucou! Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? On va bouffer en vidéo! Bon, alors du coup, on a décidé de revenir en vidéo avec un mukbang parce qu'on sait très bien que vous adorez ça. Et on a décidé du coup de vous dire pourquoi on a déserté YouTube. Et c'est fait. Ce qu'on compte faire, est-ce qu'on va revenir, est-ce qu'on va pas revenir, est-ce que voilà. On va tout vous dire en vidéo. Voilà, et là on s'est préparé un thé bagna et des noix japonaises. Bon, on va en manger. Ça s'appelle pas noix de cajou ça? Non. Les noix de cajou, c'est les graines. Ah oui, c'est vrai. Et on a pris des chips. J'ai pris mes chips et elle a pris ses chips. Et j'ai pris mes chips. Parce qu'on a très faim aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas au régime. Commencez pas à nous dire comment je la malbouffe. Ça, c'est un peu mania fait maison déjà. Premièrement. Et ça, c'est fait par un pâtissier. Au champ. Voilà. Mmh. J'adore ça. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube? Ça a pas goût à crevettes, là. Elle boit quoi? Polysirène. N'importe quoi. Bon. Bien évidemment, j'ai pris de l'eau, elle a pris du coca. Light. Merci. Commencez pas à nous dire de parler la bouche pleine, parce que... on fait un mukbang. Donc, c'est obligé qu'on ait la bouche pleine, sinon on va jamais parler. Déjà, pourquoi on a déserté YouTube? Moi, je vous l'ai expliqué souvent sur mes réseaux sociaux, sur Snap, si vous ne me suivez pas sur Snap, sur Instagram, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez. Tous mes liens sont en bio. Par défaut, pardon. Donc, pourquoi j'ai déserté moi YouTube? Tout simplement parce que, pour ceux qui le savent, YouTube, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Placer les vidéos, placer la caméra, placer ci, placer ça, vider les cartes, trouver un bon endroit, trouver une bonne luminosité, etc. Et les montages vidéo, on en parle des montages vidéo? Mmh. Le montage vidéo pour avoir, bon moi je fais pas des montages vidéo extraordinaires, je l'avoue, mais pour faire un montage vidéo c'est minimum, on va dire 2 heures minimum pour vraiment un montage simple. Donc voilà, et à la fin j'avais aucun retour. C'est-à-dire qu'avant j'avais beaucoup de personnes qui me regardaient, puis maintenant je sais pas où vous êtes passé, vous êtes parti, vous avez déserté ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit tout ce travail pour ça, pour ce retour. Après évidemment il y en a qui me disent oui mais tu devrais quand même penser aux autres, etc. Oui, je pense à tout le monde, mais voilà, quand t'as pas trop de retour, c'est comme si que tu vas travailler et qu'à la fin t'as un salaire bas quoi. C'est pareil. Donc c'est pour ça en fait que j'ai déserté YouTube. Et toi, pourquoi t'as déserté YouTube? Parce que j'avais pas le temps. Je suis trop occupée par ma vie de jeunes. Tu fais quoi dans ta vie? Non, en vrai. Merde, ça coule. T'as mis du coca partout sur le plateau. Essuie. Non, c'est pas là. C'est vraiment bon. Moi j'ai déserté parce que ça m'a saoulée. Je vous le dis honnêtement. Je suis plus trop YouTube. Je vais reprendre parce que... Il y a beaucoup de gens qui me disent de reprendre tout ça, mais moi maintenant je suis plus Instagram, TikTok, tout ça. YouTube c'est plus trop mon dada. Et les personnes qui sont encore sur YouTube, elles-mêmes elles le disent qu'elles ont 2, 5, 10 millions. Ça marche plus, YouTube c'est devenu la plateforme de l'ancien temps. Ça devient comme Facebook. C'est ça. Donc ça m'a saoulée. Et puis avec les études, ma vie de jeune, mes sorties, tout ça, mon appartement. On va pas se mentir. Quoi? YouTube est la plateforme, on peut s'exprimer le plus longtemps en vidéo. Parce ouais, que mais... Bon, souris aussi. Les vidéos TikTok, etc., c'est bien pour s'amuser. Ouais, ça dure 3 minutes maximum. Mais c'est vite fait. Voilà, mais là, si j'ai envie de faire un TikTok, je peux en faire un pendant qu'on mange. C'est vite fait, tu vois. Hmm. Alors que YouTube, on peut parler avec vous longtemps. Vous racontez notre vie. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est différent, mais ça a changé quoi. C'est pour ça que moi, alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux toujours, je suis en train d'aménager une pièce. C'est pas terminé, là j'attends mon canapé, donc on est sur des poufs. Je suis en train d'aménager une pièce spécialement justement pour tous mes réseaux sociaux, et notamment reprendre YouTube, parce que vous êtes très très nombreuses et nombreux
à me dire tu nous manques sur YouTube, reviens sur YouTube. C'est parce que YouTube, il y en a qui aiment que YouTube. Il hein. y en a qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Hein. Oui, oui. Mais les jeunes sont plus trop sur YouTube. Oui. Tu vois mmh. YouTube, c'est plus pour les parents, tu vois. Comme ils se posaient, tout ça. Maintenant, les jeunes, ils sont que sur TikTok, Instagram, mmh. tout ça. Et c'est pour ça, en fait, que ça marche de moins en moins, YouTube. Mmh. Les gens, maintenant, ils vont pas trop sur YouTube, à part le soir. Et encore, TikTok, c'est vraiment la facilité, quoi. Tu y vas tout le temps. Et puis, on est tellement nombreux. Mmh. On est tellement nombreux. Tout le monde veut réussir sur les réseaux. Tout le monde se met sur les réseaux. C'est ce que je disais la dernière fois quand on est parti à Toulouse. Que il y avait du monde sur les routes. Tu te rappelles ce que j'ai dit? J'ai dit c'est normal maintenant, tout le monde essaye de percer sur les réseaux sociaux, plus personne ne veut travailler, plus personne. Ils ont vu que les réseaux sociaux c'est la facilité, les gens croient qu'on gagne beaucoup d'argent alors que c'est pas du tout le cas, parce que sinon j'aurais déjà un canapé, j'aurais déjà acheté un petit studio ou quoi pour faire mes vidéos, hein. J'aurais pas aménagé une chambre, j'aurais pas viré Tissène de la chambre. Donc les gens croient... j'ai plus de chambre. Les gens croient qu'en fait on est super blindé, on est riche, on fait des trucs de malade. Parce que, je suis désolée, mais les personnes qui réussissent, c'est vrai. Ouais. Si tu réussis, mais tu peux très bien vivre des réussites. Il y a de la place pour tout le monde, ça je suis d'accord. Mais ne croyez pas que tout le monde va réussir. Ouais, c'est ça. Là, j'ai un truc, il est parti jusqu'au bout là. Mais c'est comme partout. Hein. Mmh. Les études, il y a de la place pour tout le monde, mais pas tout le monde réussit. Mmh. C'est pareil, pour donner tout. Dans tout, dans tout, dans tout. Bref. Donc après, tout le monde prend sa chance. Et du coup, tout le monde veut se mettre sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc du coup, il y a tellement de choses à regarder sur les réseaux sociaux que tu peux pas regarder tout le monde. Mmh. Ou pas. Fais tes préférences. Voilà. Et encore que moi, mes préférés, j'en ai. Mais de temps en temps, ça m'arrive de regarder les autres. Tomber sur d'autres personnes et je... Ah, mais... Mmh. C'est bien ce qu'il fait. Tu vois? Oui, tu découvres toujours de nouvelles personnes. Mmh. Il y a des personnes, au bout d'un moment, tu l'aimes plus. Après, faut pas croire que quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, vous allez vous acheter une Ferrari demain. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Après, je me suis pas donné la peine. J'ai pas voulu réussir à tout prix sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'aime, c'est partager. Parler avec les gens, etc. Je suis pas là pour dire, moi, ah, faut que demain. Bon, j'aimerais, hein, évidemment, comme tout le monde. Mais je suis pas là pour dire, ah, faut que je réussisse à tout prix, faut que j'écrase tout le monde. Parce que c'est ça, les gens sur les réseaux sociaux. Ils écrasent les gens. Pour leur propre personne. Moi, c'est pas mon délire, ça. Donc, les gens, pour y arriver, il faut écraser les autres, déjà, premièrement. Moi, c'est pas mon délire. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, ben, au moins, j'aurai la conscience tranquille. Mais moi, je me suis pas mis sur les réseaux sociaux et je me suis dit, demain, je vais m'acheter une Ferrari. Pas du tout. Ouais. C'est clair. Du moment que c'est un toit, de quoi manger, de quoi vivre et la santé, surtout, le reste, j'en ai rien à foutre. Du moment que je vis pas sous les ponts, et que je mange à ma faim, le reste j'en ai rien à foutre. Ça a trop changé, j'ai déjà trop mangé. Déjà ? Ouais. Moi j'ai faim. T'en mets partout. J'en mets partout, tu manges ce que je tombe. Pas du tout. Bref. Tout ça pour dire que... On revient. On revient. Après... Mais on n'est pas sûr de rester. Non. Moi je reviens. Dès que j'ai fini ma chambre. Et aussi, c'est vrai que je faisais toutes mes vidéos dans ma chambre. Là, je me suis acheté des parapluies, un ring. Et du coup, mes parapluies, ils étaient emballés. Tu m'en fous partout. Mes parapluies étaient emballés. Donc, du coup, j'étais obligée de prendre mes parapluies, mon ring, pour les ramener toujours dans ma chambre. Rien que ça, ça me gonflait. Tu te rappelles, faire un TikTok et tout ? Là, j'ai tout mis dans ma chambre. J'ai plus qu'à mettre là où je veux et j'allume. Donc déjà, j'aurais plus envie de faire des choses. D'avoir un truc à titrer. Mmh. Une pièce à titrer. Je voulais même, pour vous dire, m'acheter une petite cabane pour mettre dehors. Ah mais tu lâches des avatars depuis tout à l'heure. Je voulais même m'acheter une petite cabane pour la mettre dehors. Pour me faire une petite pièce, mais bon. Quoi C'est ça T'as pété toi non? Pas du tout. Ça le pète. C'est ta bouche hein. Non. Mais en fait, je me suis dit. C'était trop galère. Il va faire froid l'hiver. En hiver, il n'y aura pas de chauffage. Il va faire froid. Ouais. Il faut installer l'électricité, etc. Et si et ça. J'ai laissé tomber. Tissène, elle est partie, tant pis pour elle. J'ai récupéré sa chambre parce que de toute façon, elle dort. Non, de place, mon frère a pris ma chambre et sa chambre qui devait être ma chambre est devenue sa chambre. Voilà. Exactement.
Voilà. Du coup, il y avait une pièce vide. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? On mange rien du tout. Je travaille dans un tabac, pas à plein temps, hein, à côté des études. J'ai toujours pas trouvé ma voie au niveau des études. Me demandez pas ce que je fais parce que j'ai pas envie d'en parler, ça me saoule. Même pas sur le direct. Ça t'en parlera si vraiment tu es sûre de toi. Parce que t'as tellement parlé de tes études que du coup t'as pas rien trouvé. Et je travaille dans un tabac à côté. J'ai mon appartement à Toulouse. J'ai un chat. Et c'est tout. Et j'ai le permis. Ah mais vous le savez, ça fait longtemps quand même. Ah bah oui. Ça fait 2 ans bientôt. On a fait les vidéos permis, t'as l'ennemi. Ouais. Voilà. Voilà ce qui se passe pour nous. Moi toujours pareil. Tu sais ce qui serait bon dans ça? Non. Des oignons. Waouh. Ah mais il y a des oignons normalement. C'est nous qu'on en a pas mis. De toute façon dans tout le sandwich c'est salade, tomate, oignon. Salade, tomate, oignon. Que j'ai dit? Non, t'as dit tomate oignon. Non, je dis salade, tomate oignon. Non, mais tu regarderas la vidéo. Et toi, tu regarderas la vidéo. J'ai dit tout ce qui est bon là-dedans, c'est salade, tomate oignon. Non, t'as dit tomate oignon. Non, tu regarderas. Dites-moi, regardez-moi, j'ai dit salade, tomate oignon. De toute façon, dans tout le sandwich, c'est salade, tomate oignon. Dites-moi là en commentaire, c'est ce que j'ai dit. Ça lui évitera de regarder la vidéo en entier parce que je sais qu'elle ne regardera pas. Non, j'ai la flemme. Moi. Non, non, c'est trop mal. J'aime pas regarder les vidéos YouTube. En fait, c'est ça mon problème. Comme moi, j'aime pas, ouais. Je me dis que les autres aiment pas. On a pas toujours. Je fais des vidéos sur YouTube que t'aimes. Mais alors, ça m'est jamais arrivé de toute mon existence de regarder une vidéo YouTube en entière. Vraiment, jamais de ma vie. Ah bon? Jamais de ma vie, je me suis dit, je vais aller regarder des vidéos sur YouTube. Moi, oui, souvent. C'est bizarre. Moi j'aime. Je regarde, par exemple, je suis des influenceuses que j'aime bien. Et si elle dit ça, j'ai sorti une vidéo et je vois le thème, il m'intéresse. Là, je vais regarder. Mais jamais de ma vie, je vais aller sur YouTube regarder ce que les gens ont mis, tout ça. Genre, ça a jamais été une habitude pour moi. Je pense que c'est aussi pour ça, tu vois, que je moi, pas oui. Maintenant, je suis moins sur les réseaux sociaux. Je regarde tous les jours de temps en temps les stories qui m'intéressent, des gens qui m'intéressent. Après, tu vois, moi, je suis pas sur TikTok. Des fois, tu viens, tu me dis, t'as trouvé des idées TikTok? Toi t'en trouves? Moi je suis tout le temps. Parce que t'es tout le temps sur TikTok. J'adore ça. Moi non. Ben j'ai pas trouvé. Pas... C'est pas moi. Hein. Non c'est moi. C'est pas moi qui l'a mis. Ah j'ai trop trouvé. Je trouve pas parce que je suis pas tout le temps sur TikTok. Moi c'est trop bien TikTok. J'adore TikTok. C'est ma nouvelle plateforme préférée. On a remarqué, Tissène, tu fais quoi? Quoi? Ouais, je suis sur le téléphone. Tu fais quoi? Je suis sur TikTok. J'adore TikTok. D'ailleurs, suivez-moi sur TikTok. Parce que d'ailleurs, elle a ouvert son téléphone, elle est sur TikTok. Non, mais j'hallucine, quoi. Je vous jure que c'est très grave, par contre. Je suis vraiment addict à TikTok. Des fois, je dors à 3h du matin alors que je me lève à 7h. Hein, juste pour regarder TikTok. Je vais passer TikTok avant mon sommeil. Je vois ça. TikTok, pourquoi ça te fait pas gagner ta billet? Ouais. Pardon. On va goûter le gâteau quand même. Attends, laisse-moi se gérer. Et là, on va pas parler sans temps, non? Ça fait combien de temps qu'on parle? 15 minutes. Déjà, un quart d'heure qu'on mange notre bagnard. Ouais. Oui, mais faut que tu fasses ton TikTok, toi. Ah oui, punaise. On va faire TikTok en même temps, hein. Comme ouais. Ça, vous verrez comment les dessous de TikTok. Ouais, et suivez-moi sur TikTok parce que j'ai 240 000 abonnés et j'ai toujours pas 1 million alors que j'y suis tous les jours, hein. Oh là là. Ça a l'air dégueulasse, ça a l'air... Ah, ça sent bon. Ça a l'air un peu écœurant. Mais on m'a dit que c'était super bon. Alors, oh que je suis vilaine. Par contre, je suis partie où, moi? Non, mais toi, on s'en fiche. En plus, regarde, j'ai une assiette pleine d'œufs devant moi. Bon, on va faire une vidéo TikTok en même temps que vous. Comme ça, vous allez découvrir les dessous TikTok. Quand je mets 3 minutes, je fais des vidéos trop longues. Bah, rien à aider. Non, j'ai des belles dents. Toi, par contre, elles sont moches. Allez. Coucou! Coucou, les enfants! Tu m'as cassé l'oreille, hein. Aujourd'hui, on revient pour une petite dégustation. On a trouvé chez Auchan des noix japonaises. Pas des noix de pécan.
Ouais. Et j'ai entendu que c'était super bon et on n'a jamais goûté de notre vie. Ça a l'air un peu écœurant. Mais on va goûter et on va voir. On est en train de tourner une vidéo YouTube en même temps. Ouais. Exactement. Bah allez, coupez-moi. Suivez-moi sur... Appuie. Ah, ça Suivez-moi sur YouTube, petit chat. Non, petit chat, tout simplement. Bon, on va couper en deux. Tu crois que ça se coupe en deux, ça? Puis on en mange un chacun, hein? Mais tu crois qu'il y en a qui vont être jaloux si on en mange un chacun? Ah, je crois que c'était pas bon. Rentre, arrête de faire tomber les cacahuètes, là! C'est le meilleur! Ah, t'as pris plus gros, hein? Oh. Ah, ça a l'air dégueulasse. Bah. Regardez. Ça met partout. Mais c'est bon! En fait, c'est hyper léger. C'est léger, non? Ouais. Je pensais que c'était grand. Oh, j'ai les gagans! C'est trop bon. Wesley, t'avais raison. C'est trop bon. Trop bon. Ah, mais c'est trop bon. Elle est parfaite partout. Elle est dégueulasse, celle-là. C'est super bon. C'est trop bon. Ça a un goût un peu de... Tu vois, c'est du praliné, ouais, au milieu. Franchement, je pensais que ça allait être écœurant. C'est hyper léger. Ouais. Alors, du coup, je vous explique. Vous avez du chocolat, des noix... C'est quoi ça qu'il y a dessus, là? Des noix de quoi? Des noisettes. Ok. Des noisettes. À l'intérieur, en fait, c'est un truc un peu au beurre praliné. Ça, non? Ouais, c'est du beurre praliné, c'est sûr. Pas de et la coque, c'est un chou caramel. Mais c'est un chou hyper léger. Ouais, c'est un chou, c'est ça que depuis tout à l'heure je dis. Super léger, c'est pas du tout écœurant. J'aurais mangé une entière. C'est grave bon. Ouais. On a payé ça 2€. Attends, je vois. 2,69€ à Auchan. Voilà. C'est la première fois que j'en vois par contre. Moi aussi. Ouais. Goûtez. C'est super bon. 10 sur 10. Allez, on vous laisse. Bisous. J'espère qu'ils vont pas la vouloir. Vous avez vu assez de rires comme ça? Bisous! Voilà, là on a fait une vidéo YouTube. Ouais, c'est vite fait. TikTok, pardon. Vite fait, j'ai quand même mis 3 minutes et on a presque parlé de 3 minutes. Là, elle met juste la légende et elle envoie direct. Mais d'ailleurs, on fait plein de vidéos. Ouais, non, mais je veux dire, c'est plus rapide quoi. Ouais. On fait plein de vidéos dégustation en plus. On a les dégustations cet après-midi. C'est trop bon! Ouais, je suis toujours aussi gourmande. C'est trop bon. C'est pas parce que j'ai maigri que je suis quelqu'un de healthy maintenant. Deux. Attends. T'as parlé arabe et anglais en même temps, je rêve. Non. Si. J'ai dit quoi? T'as dit healthy. Et alors? C'est en arabe ça? Pas du tout, en arabe on dit pas healthy. On dit quoi alors? Calculo. Bon, mais voilà, c'est tout. Voilà ce qu'on est devenu. En tout cas, j'espère que vous êtes contente de notre retour. Bon. Ne criez pas victoire. Hein? Je vous ai pas dit, j'allais faire 2 vidéos par semaine comme avant. Par contre, je veux bien que vous me donniez des idées de vidéos. Je ferai un petit sondage sur Instagram pour me donner des idées parce que j'ai plus d'idées. C'est ça, ça t'es devenue nulle maman. Je rigole. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai plus d'idées et quand j'ai plus d'idées, parce que maintenant quand je reçois mes vêtements en Chine et tout ça, je le fais sur TikTok. Ouais. Donc du coup, j'ai pas de tourner ma vidéo des lèvres et genre comme ça tu me la mets sur l'ordi, comme ça je peux la monter là de cette semaine au travail. On verra. Ouais, tu prends ton ordi, il me gêne. Ouais. Et en fait, j'ai plus d'idées, en fait. C'est ça le truc, c'est que j'ai plus d'idées. C'est pour ça que les vidéos, j'en fais plus. Ouais. Parce que j'ai pas d'idées. Déjà, des fois, on me dit, mais t'as qu'à faire des vlogs de ta journée. Mais ma journée, elle est pas intéressante, en fait. En semaine, là, c'est pas intéressant. Ramener Chahine à l'école, faire le ménage, il y en a qui disent qu'ils aiment regarder ça, mais... Ouais, moi aussi, je trouve ça quoi, c'est un peu ennuyant, quoi. Moi, j'aime bien regarder des trucs que c'est actif ou... Où il y a de la discussion. Ouais, oui, les gens ils ont une vie active quoi. Voilà, bon, mais souhaitez-nous bon retour. Et si vous nous donnez des idées, ben, on sera là souvent. Enfin, moi je serai là souvent. Voilà. Ouais. Là, normalement, je vais recevoir mon canapé bientôt. Je sais pas quand d'ailleurs, je vais les rappeler parce qu'ils vont pas appeler. J'attends un peu le transporteur. Ouais. Et je vais finir ma petite pièce. Et venez sur ma chaîne YouTube. Because maintenant, I am. Instagrammeuse beauté avec acide hyaluronique, alors venez voir ma vidéo. I am Maëva Guénam numéro 2. Allez. T'as ri jaune là, t'as du chocolat là les dents. Et moi partout. T'as l'air, tu parles.
avec du chocolat, elle est là. Un gros truc noir. Bon, allez, on vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt. Bye bye. Elle va éteindre. Non, vas-y, c'est ta vidéo que tu vas faire maintenant. Tu vas pas être dans ma vidéo, j'espère. Mais ça peut oui.